Bordel, quoi. La bêtise humaine n'a aucune limite. Je me suis fait mal moi-même. C'était pas fait exprès, en plus. Regardez-moi ça, quoi. Whoopi, salut à vous, les Zamzam. Comment ça va? Moi, je vais super bien. J'ai une question pour vous. Êtes-vous addict aux jeux vidéo? L'OMS, qui est... Une institution spécialisée de l'Organisation des Nations Unies pour la Santé Publique, créée en 1948. Elle dépend directement du Conseil économique et social des Nations Unies et son siège social se situe à Genève. Étant quelqu'un de très cultivé, je n'ai en aucun cas utilisé Wikipédia. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a reconnu officiellement l'addiction aux jeux vidéo comme étant une maladie. C'est un sujet qui fait débat en ce moment sur le net. Il n'y a qu'à taper dans la barre de recherche de votre navigateur « Dépendance aux jeux vidéo ». Et oui, j'arrive à taper sans regarder mon clavier, c'est quelque chose de fantastique et je m'en vante car c'est cool de faire ça. En lançant la recherche, on s'aperçoit que de nombreux sites traitent du sujet. Addiction aux jeux vidéo, quand le couple est mis à l'épreuve. Dépendance aux jeux vidéo, comment le détecter chez son adolescent. La dépendance aux jeux vidéo est réelle, dit l'Organisation Mondiale de la Santé. Je n'ai rien contre le fait que l'addiction aux jeux vidéo soit considérée comme une maladie. Mais il y a quand même un petit truc qui me dérange. Ils ont mis en place un test. Et ce test, pour moi, c'est de la merde. Tu vois, de la grosse merde. C'est de la merde comme ces lunettes que je porte actuellement. Nous allons faire ensemble un test qui permet soi-disant de savoir si on est addict aux jeux vidéo. BFM TV le propose. Et moi, je vous le dis, je ne crois pas à la fiabilité de ce test. C'est de la merde. Commençons le test avec la première question qui est posée. Lorsque je ne joue pas aux jeux vidéo, j'y pense constamment. Oui, je pense aux jeux vidéo quand je ne joue pas aux jeux vidéo. Est-ce que j'ai fait une bonne partie? Est-ce que il y a des choses à améliorer? Est-ce que je dois rectifier certaines erreurs? Quand tu lis un livre, hein? Quand tu vas regarder un film, quand tu sors d'une séance de sport, de musculation, je suis sûr que Alexandre, 28 ans, qui fait de la musculation, quand il a terminé sa séance, il se demande, est-ce que j'ai bien fait mes tractions? Est-ce que j'ai bien fait mes abdos? Quelle partie de mon corps j'ai travaillé aujourd'hui? Ben, le jeu vidéo, c'est exactement pareil, mec! Lorsque je termine une partie d'Overwatch, je me demande si je devrais pas améliorer certaines choses, mon tracking, par exemple. Est-ce que j'ai fait les bons choix à tel moment? Est-ce que quand j'ai balancé mon ulti, c'était le bon moment pour le faire? Alors, je vais répondre oui. Je passe de plus en plus de temps à jouer aux jeux vidéo. Alors là, franchement, lors des vacances, oui. Je me suis déjà senti mal parce que je ne pouvais pas jouer aux jeux vidéo. Alors là, non, du tout. Franchement, quand je suis à la fac, quand je sors avec mes amis, quand je vais au cinéma, je ne pense pas aux jeux vidéo, je me sens pas mal. Et on pourrait remplacer ça par, je sais pas moi, je me suis déjà senti mal parce que je ne pouvais pas lire Harry Potter, tu vois? Je trouve que c'est vraiment stupide de formuler cette question de cette manière. Savoir si on est vraiment dépendant aux jeux vidéo, ça ne se limite pas à cette petite question-là. Là, je vais mettre non. Je joue aux jeux vidéo pour fuir, oublier la réalité. Aïe. Oui. Oui. Parfois, je rentre à la maison. Je suis fatigué de la journée, j'ai envie de me détendre. Le petit Lucas là qui a eu une mauvaise note, qui s'est fait engueuler par son professeur, qui s'est fait taquiner par ses camarades de classe, quand il rentre chez lui, il a envie de décompresser, tu vois, il va jouer aux jeux vidéo. Donc oui, je joue aux jeux vidéo pour fuir, oublier la réalité. Mon entourage a essayé de réduire sans succès mon temps de jeu. Oui, quand j'étais petit, je passais pas mal de temps à jouer, du coup, voilà. Ma mère disait, Iron, arrête de jouer aux jeux vidéo. Sans succès, je dirais. Je me suis déjà disputé avec mon entourage à propos de mon temps passé à jouer aux jeux vidéo. Alors là, ça n'est jamais arrivé. On peut se disputer pour n'importe quoi. Et pas seulement aux jeux vidéo, quoi. J'ai déjà négligé d'autres activités importantes, école, travail, pour jouer aux jeux vidéo. J'ai obtenu mon bac, avec mention, attention. Mmh.
on s'en fout. Et pourtant, je jouais pas mal aux jeux vidéo pendant cette période. Ma chaîne YouTube, c'est du gaming. Je consacre beaucoup de temps aux jeux vidéo. Pourtant, j'ai validé mes semestres. Non, j'ai jamais négligé mes activités. Même si je joue beaucoup aux jeux vidéo, j'ai le sens des priorités. Non, j'ai déjà été en manque de sommeil à cause de mon temps passé à jouer. Oui. Il m'est arrivé de jouer jusqu'à, je sais pas, 2h du matin, 3h du matin. Mais il m'est aussi arrivé de lire des livres jusqu'à 3h du matin. Bon, ça c'est faux. Donc oui, j'ai déjà été en manque de sommeil à cause de mon temps passé à jouer. Résultat les amis, découvrons-les tout de suite. Dépendance probable. Vous êtes probablement dépendant aux jeux vidéo. Des questions comme ça, t'es capable de me dire si je suis dépendant aux jeux vidéo? Le pire, c'est qu'ils mettent, pour mieux mesurer et contrôler l'impact du jeu vidéo sur votre vie, prenez rendez-vous avec un spécialiste. Non. Moi, je dis qu'il faudrait supprimer tous ces tests. Il est dit que 40% des joueurs addicts sont conscients qu'ils sont dépendants aux jeux vidéo. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir un médecin dans ce cas. Mais ne faites pas ce test. Ne faites pas ce test. Les parents qui écoutent là, qui regardent cette vidéo, si vous voyez que votre enfant est sujet à être dépendant aux jeux vidéo, parlez-en avec lui, posez-lui des questions, ne donnez pas ce test à faire. Les amis, ce sera tout pour cette vidéo, ça change un peu d'habitude. C'est un sujet qui m'intéressait beaucoup, la dépendance aux jeux vidéo au travers de ces tests qui sont vraiment minables. Et voilà, j'avais envie d'en parler avec vous et de faire le test avec vous. Donc apparemment, moi, je suis probablement dépendant aux jeux vidéo, mais on s'en fout, quoi. On s'en fout. N'hésitez pas à faire le test. Voilà, quoi. Juste pour voir. Mais ne portez pas attention à ce test, quoi. On s'en bat les steaks. En tout cas, les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir me suivre. Moi, je vous dis à ciao pour de prochaines vidéos sur ma chaîne.